Salut tout le monde et bienvenue. Alors, on va quand même éviter ce petit détail là, on va essayer de jouer. Salut Anardil, ça faisait longtemps toi. Alors, si mes souvenirs sont exacts, dernière fois qu'on était venu, c'était début de l'été, ouais, voilà, deuxième jour de l'été. Et si je me souviens bien, on essayait de terminer la première, toute première caverne. D'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, il y a quelque chose qui nous attend sur place. Est-ce que les fleurs qu'on avait mis au printemps dedans ont fini d'éclore ou c'est... Non, toujours pas. Donc on va vite s'occuper de ces dernières parce que de ce que j'ai pu comprendre, c'est un peu la rentabilité, vu combien j'ai payé les graines et comment est-ce qu'elles prennent du temps à pousser. On va voir si j'ai perdu la main aussi sur les combats au bout d'une semaine sans jouer. Non, ça va. Ça va, je suis toujours plus ou moins potable. Mais je suis sûr que j'avais laissé un truc en stand-by. Si, c'est ça, il va falloir attendre le retour d'Yvan pour lui acheter du matos parce que franchement, j'en ai vraiment marre de me faire arnaquer à payer le prix fort pour des graines. Pour des graines que je pourrais en vérité obtenir gratuitement en fait. Mais pas que ça aussi, j'avais pas dit qu'il fallait que je me renseigne sur le wiki de comment fonctionne la cuisine. Alors ça par contre j'ai complètement oublié. On n'a qu'à se dire que... Ok. On n'a qu'à dire que cette partie observation de wiki, je l'ai faite. Et que t'inquiète, c'est normal. Bon, on va regarder déjà plus ou moins ce qu'on a à disposition. Parce que c'est bien de dire qu'on avait ça de prévu ou ça de prévu, mais la vérité c'est que j'ai aucune idée de ce qui était prévu ou non en fait. Mais pareil, il n'y a pas une histoire que j'ai upgradé mon matos et que maintenant si je veux je peux juste maintenir pour arroser. Ah oui, c'est ça qui avait été prévu aussi, upgrader les matos. Upgrader le matos et aller récupérer le matos qui a été upgradé aussi. Ouais. Faut pas oublier. Ça y est, l'effet sonore il revient, parce que ça c'est un peu compliqué. Voilà. Ici. Normalement. Si je me, mes souvenirs sont exacts, à 9h, on va aller voir le forgeron, et il devrait me donner... Non. Qu'est-ce que je suis allé faire améliorer chez le forgeron? J'ai fait améliorer la hache, c'est ça. J'ai fait améliorer la hache. On en profitera pour lui vendre les armes qu'on n'utilise plus. Alors, non, c'est pas encore ouvert. Allez, allez, allez. Ah ah. C'est ticket à dire, fais l'affaire ici. Tu veux forger un truc pour moi? C'est pas encore fini. Ok, d'accord, c'est donc pas aujourd'hui. C'est triste. Triste parce que je m'attendais à ce que ce soit prêt en fait. Non, ça y est, je me souviens, je lui ai donné ma hache parce que c'était tout pourri ma hache. Je pense que c'est une raison suffisante. Alors, on va coller du poisson et espérons que ça soit rentable aujourd'hui. Attends, il y a des poissons différents en été aussi. Ça, c'est encore un truc qu'on sait pas encore. Alors, poissons différents, poissons similaires. On va avoir du calamar à 200. On va avoir un gros saumon.
Ou on va encore faire de la petite sardine? Bonne question, ça. Même la question qui devrait être, selon moi, primordiale. Ah non, c'est la petite sardine, grosse déception. Bon, alors on va faire le tour des PNJ, histoire de se faire bien voir. Ouais, c'est exactement ça que je voulais qu'on soit mis, hop. Ok, toujours le même dialogue générique pour l'instant. Mais avec elle, on vient de débloquer du coup un nouveau dialogue. Auberge, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, rien de nouveau d'habitude, toi de ton côté. Rien de nouveau ici aussi. Ouais, c'est fermé le lundi, autant pour moi. Ici. Non, rien de nouveau dans tes dialogues, mais... D'ailleurs, on va profiter que je t'ai sous la main. Là. Là, c'est ici pour vendre. Non, ça je garde. Ça je vends. Ok. Bronze, je garde. Attends, j'en ai combien ici? J'en ai 9. Ouais, j'en ai 9. Donc, je garde. Fer, pareil, 9. Ouais, je garde. Les herbes médicinales, on garde. Argent. L'argent, on vend pas. J'en ai besoin. Hop là. Ah, donc, il plaignait que les améliorations d'outils coûtaient cher. Bah, au final. Au final, ça se rembourse tout seul, on va pas se plaindre. Voilà, si tu meurs, tu décèdes par la mort. Merci pour le petit tutoriel, comme ça, j'ai pas oublié. Puis je vous parle, monsieur. Voilà. Voilà, alors écoute-moi bien. Si tu meurs, tu décèdes par la mort, et même moi, je pourrais pas te soigner. Oui, je sais, c'est le principe de la mort. Merci. Alors... Est-ce que les livres de magie sont réels ou c'est toujours un mensonge? Et non, toujours pas. Ma théorie, c'est qu'en fait, ils n'existent pas ces livres de magie, que c'est un gear qu'ils avaient prévu. Ils ont laissé le texte. Mais en vérité... Ça y est, je peux venir quand je veux maintenant. Attends, mes souvenirs sont exacts, ça coûtait une fortune son machin, non? Ouais, c'est ça. Allez. Ok. Nous allons gagner de l'amitié avec tous les gens. Même toi. Toujours les mêmes dialogues, malheureusement. Hein. On n'a pas encore débloqué les trucs. Attends, là-dedans, il doit y avoir... Je voudrais parler. Ouais, bon, toute la ville, depuis un mois, parle de ça. C'est bien, mais... Je voudrais un peu du nouveau. Ouais, t'as le... Là, c'est pour la grotte Karmite, hein, mais oui. On dit nouvelle saison, nouveau produit. Viens donc jeter un coup d'œil. Bonne idée ça en fait. Qu'est-ce que tu proposes? Comme toujours, merci de ta visite. Ananas. Oh, j'ai compris. Ça y est. Ouais, il va falloir très rapidement que Yvan y vienne. On a perdu les oranges. Quand j'ai une fille qui vendait des oranges, j'ai hésité à en prendre. Mais il fallait pas hésiter. Non, là c'est fermé. D'ici, je te
te dois beaucoup, Vrest. Tu peux me rendre visite quand tu veux. Felicity sera aussi heureuse de te voir. Ça y est, j'ai même le droit de venir ici maintenant. Je t'ai délivré le passe. Ouais, bon, rien de nouveau, ça. C'est dangereux d'y aller seul, prends ça. TKT, j'ai une meilleure épée que ce qu'ils vendaient. Loot directement sur les mobs. En plus, c'est une épée qui me permet de faire comme Link et faire des... Ah, mais oui, mais j'ai plus de runes. Ça sert à rien. T'as sur la votre carte. Mais non, toi, c'est pareil, même dialogue. En faisant quelque chose tel qu'un passe pour la votre carte, tu es un véritable explorateur. Oui, bon, toujours les mêmes dialogues là aussi. Vous savez quoi, on va faire un truc qui est stupide. Donc d'abord, on va pas oublier ce qu'il faut faire. Voilà. Non, ça c'est moi qui ai une précision débile. Voilà. On va brosser les strums. Et maintenant que les strums sont brossés, on va leur faire se dégourdir les pattes. Rejoins-moi. Nous deviendrons des conquérants. Tan 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 tan. Voilà, on va attendre 15 heures. Quelle est la meilleure des façons d'attendre 15 heures que d'envoyer au combat ces Pokémon? Voilà. Non, 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 pas moi, lui, voilà. Non, 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 je sens qu'il va me silencier, lui. Ok, il y a quoi là-dedans? Non, 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 non. Non, hop, voilà, lui. Il récupère du tissu. Skill up. Level up ou skill up? Parce qu'il faut pas que je me trompe. L'épée est au niveau 2, ouais, j'ai level up récemment et j'ai aussi skill up à l'épée, ouais c'est ça. Ok. Du coup j'ai désormais 30 en attaque. Après les PV 172, 178, il va falloir que je vois s'il n'y a pas moyen d'augmenter sa barre de PV parce que je trouve ça un peu triste quand même. Arrête de te coincer s'il te plaît, je joue comme il faut. Arrête de hint. Ouch, je l'ai payé celle-là. Hein. Ouais, on va sauvegarder au cas où on joue vraiment trop au débile. Donc si je ne peux m'abuser heureux. Ah ah ah. Viens donc, viens donc. Oh oh oh. Je crois qu'on a découvert une... un arrivage de plantes qu'on n'avait pas encore vu. Je crois que je suis perdu et que je sais pas par où on rentre non plus. Donc si je me fais baillon, c'est le décès. Attention, il y a des frelons par là-bas. Jouer au débilus. J'en ai plus deux. On va vraiment pas jouer au débilus là. Ça c'est moi qui sais pas me servir du jeu.
là. Qu'est-ce que t'as cru que tu pouvais m'avoir une connerie pareille? Voilà. Ok, là on a du minerai. Là c'est du poison. On va pas là où il y a le poison. Non, ça c'est un orque. Voilà, le monstre le moins dangereux de la caverne finalement c'est l'orque. Bon bah quitte à faire, quitte à s'empoisonner. Ah bah c'est vraiment empoisonné pour rien en plus là. Donc quitte à faire vu que je suis empoisonné, je vais quand même passer par là. Donc j'ai vraiment plus d'antidote. Bon. Comment ça se mange ça? Ça se mange comme ça. Et vu que je crains pour ma barre de PV, on va consommer ce truc. T'es bloqué? Ouais. Te bloque pas là, il va y avoir du combat. Et cette fois-ci, j'ai besoin de toi. Ouais bon. Autant pour moi, j'ai cru qu'il était fort parce que c'est la première fois que je l'ai vu. Ok, ça je l'ai payé. Ah, ça descend. Il y a quelque chose derrière cette porte. Et Frost, t'es venu aussi? Tu sais, Frost, il y a quelque chose de louche ici. J'explore cette grotte et j'ai comme l'impression que la porte s'ouvrirait si nous pouvions détruire un tas de ferrailles bizarres. On peut appeler ça l'intuition du chasseur de trésors. On dirait que ça vaut le coup d'essayer. Et Frost, savais-tu que ces tas de ferrailles se régénèrent à chaque fois que tu quittes la grotte? Vraiment? Ouais, alors si t'as l'intention de toucher les frères, tu devras rester dans la grotte jusqu'à ce que le boulot soit fini. Mais ça va prendre du temps. Parce que je vais pas avoir cette force. C'est pour ça qu'il y a des sacs de couchage. Là, je pardis. T'as bien dit sac de couchage, non? Quoi? T'es inconscient, il te faut un sac de couchage pour explorer les grottes. Bon, puisque tu ne connais rien à rien, je vais te donner le mien, tiens, prends-le. Merci. Il est un peu vieux, mais il peut encore servir. Tu as reçu un sac de couchage simple. Tu peux utiliser ton sac de couchage pour dormir dans les grottes et récupérer des points de vie. Mais tes points de rune ne se rechargeront pas beaucoup. Pour cela, tu devras planter des cultures dans les champs que tu retrouveras dans les grottes. Quand tes cultures seront prêtes, tu pourras obtenir des points de rune. Il est important de planter des cultures même dans les grottes. Compris. Maintenant, revenons à ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Tu sais, cette porte n'était pas là avant. Il est clair que quelqu'un l'a construite. Ça ne dit rien de bon. Parfois, faut aussi avoir le courage de fuir. Un vrai chasseur de trésors doit savoir quand rester et quand prendre ses gens à son cou. Maintenant, c'est le moment de décamper. Hasta la vista! Non, là, c'est moi qui suis nul. Bon. Bon. Rentre à la maison parce que tu vas décéder par l'amour, toi. Cool. On voudrait prendre un bain. Je suis pas rassuré, mais on va y aller quand même. Toi.
Rejoins-moi. Ensemble, nous deviendrons les conquérants. Dans les faits, aller à la cave comme ça me sert absolument à rien. Hop là, il s'est fait saigner le pauvre. Allez, viens vite, toi. Ne sois pas coincé comme les autres. Voilà. Là. On va sauvegarder au cas où on fait de la merde. Toujours sauvegarder parce que... La barre de vie ici est un peu... Il fait des aouais machin. Allez, on se bouge. Là-bas, c'est les abeilles. Ma théorie, c'est que si je dompte une abeille, je peux faire du miel. C'est une théorie qui se tient. Oulala. Pourquoi moi? Pourquoi tout le temps moi? Bah, quitte à faire, on va tenter la théorie. Gentil, Nabeille. Gentil. Alors. Je dirais pas non plus que c'est bien, parce que là, t'es en train de décéder par la mort. Disons qu'on a évité le pire. Et en plus de ça, on va pouvoir tester... On va pouvoir tester les... Voilà, on va tester ce truc. Si les abeilles c'est dangereux ou si c'est bon ou si ça fait du miel, est-ce que les saucisses tombent des arbres, tout ça tout ça. Donc, par contre tout ce qui est herbe médicinale je vais me servir. Alors bah, soit du poison on va te crever comme des débiles. Et on va aller voir les abeilles, voir si ça pique. Cool. Oh yes! There is honey, friend. Yes. Perfect. Bon, oui, bon, merci de me faire le tutoriel pour un truc que j'avais compris jour 1. Par contre, ça je... Mais ma question, c'est est-ce que ça a été rentable? Boules le miel. Attendez, je suis en train de faire un petit calcul rapide dans ma tête. 300 boules de miel, 1200 par étage, 8 fois 1200,
Ouais. Ouais, je crois que rentable, ça fait partie des mots qu'on peut utiliser pour désigner ça. Tellement que c'est rentable que je vais considérer que cet outil fait désormais partie intégrante du stuff de base. Hop là. Aller dormir. Écrire dans le journal. Terminé. Allez, on va aller s'occuper des fleurs de la cave. Toujours pas. J'espère que ça en vaut le coup, parce que le nombre de temps que je les ai laissés ici... Non, pas gentil, toi. Les plantes commencent à pousser. Intéressant. Il n'y a plus la flotte, d'accord, on va en reprendre. Ok. Je crois que le son il bug quand on utilise trop rapidement le skill. Avec un peu de chance, on va même pouvoir récupérer notre hache aujourd'hui et tester, voir si je peux pas annuler les troncs. Parce que... Et je n'aime pas voir des troncs au milieu. Si c'est le cas, ça signifie que je fais aussi pour améliorer le martal et virer les cailloux. Et perdre de manière définitive production de, d'herbes médicinales. À moins que... Attendez, là, je pense que je viens d'avoir QI plus 25 dans le cerveau. Admettons, samedi, Yvan, il arrive, il fait bonjour, je m'appelle Yvan. Yvan quoi ? Yvan plein de trucs, voilà. Là, normal, comme il fait tous les samedis, quoi. Sauf qu'en fait, Yvan, il a décidé de vendre ce qu'on cherche depuis le début. Je sais, c'est déjà de la science-fiction, il arrive, il vend des trucs, voilà. C'est alors que moi, dans mon cerveau intelligent, je décide d'acheter ce qu'il vend. Et c'est là qu'on se rend compte d'une chose incroyable. Ce qu'il vend, le moyen de produire des herbes médicinales au final. Si les graineuses font des graines d'herbes médicinales. Coupe-toi. J'ai toujours voulu vivre entouré de livres, mais je me rends compte que c'est une chose difficile. C'est vrai que les livres, c'est... Bon, autant pour moi, une fois encore, manette. Voilà. Le Tadorfest. Oui. Attends, est-ce qu'il y a qu'un seul dialogue ou c'est comme les gens où il y en a plusieurs? Elle a que ça parce que c'est une random. Par contre, lui, vu que c'est un random, il a que ça aussi. En fait, je viens de me rendre compte que je suis arrivé chez des randoms. Ouais, c'est vrai. Mais je m'entends bien avec des randoms, ce qui est plutôt rare dans le milieu. Vu que je m'entends bien avec des randoms biblio, est-ce que ça veut dire que je peux... Non, toujours pas. Pour moi, le Magic is a lie. Un
Allez, on va faire la bise à monsieur le forgeron. Non. Te voilà-t-il revenu pour venir parler à d'auteurs comme moi? Ouais. Faut que j'arrive à la mairie avant 9h, j'y crois pas perso. Si, j'aurais dû y croire. Frère, d'après toi, que devrions-nous faire pour améliorer la qualité de vie dans cette ville? J'aurais dit un service de métro, mais vu qu'on est dans du médiéval fantasy, pas trop ça. Réduire les prix, augmenter les terres cultivables, créer un magasin 24-24. Le fait que ce soit possible d'utiliser une grande portion de terre pour la culture me laisse perplexe. Il y a beaucoup de terre dans les cavernes, mais peu de personnes ont les capacités d'y effectuer des travaux agricoles. C'est un problème. Je m'inquiète au sujet de l'homme qui épousera ma fille Fifi. J'aimerais que ce soit quelqu'un qui tienne compte de mes souhaits. Eh bien d'ailleurs, ma fonction de mère n'est pas héréditaire, il faut être aimé de chacun. Ouais. Mais dis pas que t'as que ça comme côte. Felicity est en bonne santé jusqu'à l'année dernière, mais elle est soudainement devenue faible. Le docteur Edward l'a examinée de nombreuses fois, mais il n'arrive toujours pas à en déterminer la cause. Ouais, non. Comme toujours, c'est des quotes génériques pour les persos génériques, entre guillemets. Par contre, techniquement, ici, elle a plusieurs phrases. Les problèmes de santé se sont aggravés il y a environ un an, mais le docteur Edward ne parvient toujours pas à déterminer la cause. Mais je n'ai pas l'intention de rester alité indéfiniment. Je vais guérir et venir à une vie normale. Ah, Frest, tu n'as pas l'air en forme, est-ce que ça va? Oui, je suis toujours comme ça, mais j'irai mieux après une semaine complète. Ouais, rien de nouveau. Est-ce qu'il y a une troisième phrase comme pour les autres? Bon, j'ai pas envie de tester davantage. Hop là. Ah ah. Non, toi rien de nouveau. Toi rien de nouveau. En même temps, vous, je crois que je vous ai déjà amélioré, non? Ouais, rien de nouveau, mais en fait, on continue quand même de se faire apprécier par tout le monde, quitte à faire. Voilà, toi. Pour rien de nouveau. Non, elle est en haut normalement. La raison pour laquelle j'exploite les termes est simple, j'adore prendre des mains. Non, elle aussi n'a rien de nouveau à proposer. Non, rien de nouveau par ici. Est-ce que le bouquin il serait arrivé du temps que je suis passé tout à l'heure? Ouais, Magic is a lie. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'y croire en la magie?
Avec un peu de chance, il a fini le forgeron. C'est dit que t'as dit à faire référer ici. Non, toujours pas. Mais... Tant pis, je suppose. Voyons voir le niveau d'affectionnage du... Ouais, bientôt niveau 9 en épée, j'ai presque envie de me tâter là tout de suite. Décoration... Radis Verona blanc. Moi qui pensais que c'était la plus facile à up, au final... Mais au final, non, pas tant que ça. Don't be mad. Use your brain. Die like a monster. You are. Voilà. Non, pas de ki, c'est pas bien de tirer sur les gens. Ça provoque la mort. Voilà. Je suis venu ici pour skill up. Je suis déçu quand même. Je suis venu pour skill up et ça skill 0. Sérieux que je me fais silence si facilement? Je suis triste là. Je le prends mal même. Voilà, c'est ça. Pique-moi, on n'en parle plus. Ah mais attends, je suis scellé. Je devrais pas jouer au com alors. J'ai pas ce qui... Attendez. Soit je sais pas comment ça fonctionne, c'est... Non ? J'étais pas censé skill up, là. Bon, vu que je suis scellé, j'ai plus rien à perdre. Non, mais on sort, là. Vu que je suis scellé, j'ai plus rien à perdre. Du coup, on va aller taper l'archer. Thank you.
Peut-être... pas mal, même pas peur. Voilà, descendre par la mort. Ça fait de l'XP. Et là, normalement, je vais level up. Je vais pas skill up, mais je vais level up. C'est pas suffisant. Ouais, level up. Du coup, on va aller faire la bise au docteur Edouard pour qu'il me décèle le corps. Allez, c'est l'heure de la guérison. Je me sens pas bien, je crois que j'ai le Stanfus. Mais bon, je suis guéri par la guérison. Stop. Comment ça, non? Non, fait pas partie des réponses que tu as le droit de donner. Et c'est chiant. Mais en fait, c'est chiant les guerres de l'herbe. Mais en fait, non, je n'accepte pas. Genre, je paye autant pour dépenser de l'eau et du temps. Mais le jeu il s'est moqué de moi là, je c'est une plaisanterie certaine. C'est pas vraiment ça. Il s'est pas passé ce que je crois qu'il s'est passé. Je... Oui. Et là c'est une pure escroquerie le machin. Bon bah... Mais c'était pas lui que je voulais renvoyer... Voilà... Ça fait de la place, on a un guerrier et un producteur. Peut-être que je prendrai une deuxième bille. Coucou.
Est-ce que cela va fonctionner ou est-ce qu'on m'a dit que c'était une idée de con? Parce qu'on m'a dit que c'était la plus facile et qu'il suffisait juste d'aller faire splash dans l'eau sur les forums. Le problème c'est que je fais splash dans l'eau mais ça monte moins vite que d'autres avec qui je fais que dalle. À ce qui paraît les cadeaux marchent pas. C'est ce qu'elle dit en tout cas. Que c'est? Ah ouais. Un ouragan déjà. La pluie. Il n'y a pas eu une goutte au printemps, par contre en été il y en a. Ah ouais. Après la pluie... Après l'ouragan, la pluie... Et c'est une blague! Non, là c'est une blague par contre. Non. Ils ont pas pu foutre en l'air toutes les plantations comme ça, si. Non, là j'accepte pas, il y a une assurance, j'espère. Faut faire marcher les assurances aussi, s'il vous plaît. Coucou. Ouais. Vous plaît, dites-moi que c'est une blague. Et là c'est foutu. Et là c'est foutu, ok, là c'est foutu. Ah, en fait j'ai plus aucune case de 9 par 9. J'ai bien compris la connerie. En fait tout est foutu, c'est tout. J'ai aucune rune exploitable dans tout ce que j'ai planté depuis le début de l'été. Bon. Bon. Bon, on va pas forcer. Oh, Newman a complètement... Alors, c'est pour ça que je viens de... je t'avais dit... Oui. Ah, c'est toi, Frest? Oui. Je t'avais pas du tout remarqué. Elle a qu'un seul dialogue? Ouais. On sortirait très bien toute seule. Et j'ai l'air d'une perdante. Non, pour l'instant, on n'a pas de... Et Frest, qu'est-ce que ça fait d'avoir un père? Et j'ai maman, mais j'ai pas de père. Alors je me demandais seulement ce que les fées ça fait. Je sais pas non plus. Oh, c'est vrai, j'ai oublié que t'as perdu la mémoire. Ben voyons. Ah.
J'espère qu'il n'y a pas le truc que tu perds plus de durabilité quand t'es sous la pluie. Fermé. Ouvert. Ma table cuisine vraiment d'excellentes choses, c'est une aide précieuse. Ça va sans dire, mais Bianca est le trésor de ma vie. Ouais. Comment est-il possible que je vive dans une ville aussi insignifiante? Je pense que la vie de grandes villes et je pense que la vie des grandes villes me convient mieux. Autant pour moi, je sais pas devenir. Pourquoi pas? Si. Normalement, tu peux sortir de l'eau, toi. Un jour, mon prince arrivera ici sur son blanc destrier et me sauvera d'une vie de misère dans cette ville minable. Et tu crois que tu peux venir ici quand ça te chante? Les seuls hommes qui peuvent entrer ici, ce sont ceux qui ont mon autorisation, t'as compris? Ok. Ben voyons. Comment va la ferme? Mademoiselle Bianca dit parfois de vilaines choses, mais au fond, elle a bon cœur. C'est vrai que je cherche un outil que je n'ai pas. Bon, on va y aller au martal. It's hammer time. Dites-moi pas que ça va être... Bon, au moins ça me skill up le minage. Je présume que c'est le minage. Ouais. Pour plus tard, quand j'irai dans les mines, que je puisse récupérer peut-être des trucs plus intéressants. Mais... Là, je ressens surtout la tristesse absolue de... Ah. Et dire que je commençais à me dire que je vais vous faire des hors-live pour avancer plus rapidement. Je crois que ceci est la preuve que ce que je viens de dire est vrai. Ok, on va commencer par enlever les gros cailloux un peu plus gros. Surtout que maintenant il y a des cailloux géants partout et eux je peux pas les enlever. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le marteau? De l'argent, du fer, du bronze. Bonne question. Nous allons voir ça tout de suite.
Il est fermé le jeudi, c'est ça? Il est fermé le jeudi, c'est ça? Il est fermé le jeudi, c'est ça? Mais... Cette semaine aura été horrible jusqu'au bout. Seule chose qui manque, c'est Yvan qui arrive et qui vend rien d'intéressant cette semaine, encore une fois, et que du coup, je peux pas acheter l'item qu'on me colle depuis le début du jeu. Hop, au moins ça skill up. Je sais même pas ce que ça rapporte de skill up, ça aussi il va falloir que j'aille voir sur le wiki. Et que ça me tienne. Hop là. On va chercher sur le wiki tout de suite. Là. Opéra. Google-le. Hop là. Une factory. Alors, nanana. Ok. D'accord, je vois à quoi ça sert, c'est bon. En gros, pour tout ce qui est physique, donc épée, mine, ferme, communication, pêche et bois, tout ce qui est physique, quoi, c'est, ça réduit la consommation de points de runes. Quant à tout ce qui est mental, entre guillemets, donc camping, forge, pharmacie, cuisine, voilà. Bah tout ça c'est pour augmenter les chances de succès parce que quand on craft des trucs tu peux échouer le craft tandis que bah, ça augmente tout simplement la chance de succès. Donc du coup augmenter mes skills ça augmente entre guillemets ma durabilité en point de rune. Ok. Bon. Manière définitive, on augmente. On augmente le skill sur ces herbes. Je la prends quand même assez mal. Hein. J'essaie de garder le sourire, mais je la prends assez mal celle-là. Et toi, tu viens squatter chez moi comme ça?
Oui, jusqu'à... J'ai compris, mais... C'est tout? T'as pas un truc supplémentaire à dire? Genre, il y a eu un ouragan hier, t'as pas un commentaire à ce sujet, en mode... Ah là là, ouragan, peut-être que tu peux toucher l'assurance. C'est des trucs qu'il ferait plaisir à entendre. Si possible. On n'est pas assuré, c'est ça? Ça? Mais... On n'est pas assuré. Ah, j'ai compris. Non seulement c'est pas ma faute, mais c'est moi qui vais payer. J'ai compris. Voilà. Je suis assez décédé par la mort de Stamina. Mais bien sûr, c'est... Fermé. Allez. Pourquoi? Pourquoi le jeu il est méchant? Pourquoi? J'ai oublié aucune herbe qui traîne? Pas la moindre touffe? Non, c'est bon. Pas tenter le diable. Et oui, je peux toujours revendre le merdier. Et je vais y aller au martel aussi, quitte à faire. Voilà, quitte à faire, on y va au martel. On va tout de suite aller au martel, on va essayer de rentabiliser cette journée le plus que possible. Voilà. On récupère de la saleté. On revend ça. En plus, j'ai skill up là-dedans, donc je peux en casser encore plus. Alors, par contre, on va quand même sortir l'épée pour ne pas crever par la mort par là-bas. Là.
Mortel. Rien d'intéressant. Parce que le jeu a décidé d'être méchant avec moi. Voilà. Voilà. L'idée c'est de looter du silver pour le marteau si jamais ça réclame du silver. Du cuivre. Parce que je me rappelle, c'est un peu rare le cuivre. Ça c'est du silver, c'est bien. Il m'a rapporté un skill up. Non, on va utiliser le pouvoir de mage de la vitesse extrême. On va surtout utiliser le pouvoir de ne pas tomber dans le marécage dégueu. Ok, je crois que le jeu me déteste aujourd'hui. Du silver, ça c'est bien. Est-ce que ce sera suffisant? Ça je sais pas, mais en tout cas c'est bien. Pas mal. Exact, il fallait pas y aller. Ok. Ah, je la sens vraiment mal. Alors, il n'y a rien qui me sera épargné. Là, maintenant, il fait plein jour dehors. Il n'y a pas une goutte d'eau. Donc, ça va être tout à ma disposition de devoir arroser. Pour ce qu'il en reste du coup. Je me plains mais il n'y a pas grand chose à arroser. Thank you.
TTT aura coûté plus cher que ce qu'il aura rapporté. Normalement, dans les investissements de l'été, c'est ce qui rapporte le plus. Pourquoi ? Qu'avec le temps on pourra débloquer les recettes pour le curry arc-en-ciel ou des conneries comme ça. C'est ça qu'il va falloir aussi que je fasse, c'est regarder les recettes qu'on peut accomplir sur le wiki. Améliorer la canne à pêche. On va partir direct sur le martal. On va rien comprendre de ce qui va se passer. On va voir s'il n'y a pas moyen de mieler le frelon. Après, il faut que j'apprenne à viser, ça c'est encore une autre théorie. Yes. Perfect. 300 boules comme ça gratuit, je dis pas non. Pas 300 boules par jour, mais c'est déjà quelque chose que je qualifierais de... de propre. Ouais, voilà, propre. Un bon mot propre. Fermé. Qu'est-ce que ça change en vrai? En vrai, non, il est déjà ouvert, je vais pas gaspiller des ressources ici. On va essayer de vite régler le problème des champs. J'ai reçu la hache de bûcheron. Peux-tu me forger un autre outil, s'il te plaît? Le martal, ouais, voilà. Une hache. Essayons pour voir. Marche. Ça marche très bien. Ça marche à la perfection. Thank you.
ça marche même nickel. Il y a encore des bûches au milieu de chez moi. Oui, disparaissez. Pour ce que ça me coûte en PV, je m'en fous complètement. Je vais me régénérer juste après. Comment ça, non? Voilà. Est-ce que je peux le faire comme ça? Ouais. Ça suffira? C'est trois coups? Je crois que c'était deux sur le premier. À moins est-ce que... En faisant ça... Ça fonctionne ou c'est n'importe quoi? Deux. Un. Deux. Trois. Quatre. Ok, on va... On va éviter de se mettre davantage en danger. Voilà. On va aller peut-être se manger un truc au restaurant, ça va coûter des sous, mais au moins. Voilà. Faudra voir le menu. En fait, ce sont les ingrédients de cuisine de base. C'est le moins cher, mais normalement, c'est pas censé nourrir grand-chose, ça. Oh, j'ai un bonus nourriture dont j'ignore jusqu'à son effet. Cool. Ouais, ouais, bon, rien de nouveau pour ton côté, tu es aussi barbante que d'habitude. Peut-être que je devrais éviter de continuer à jouer à l'animal. Ça m'a rapporté du bois quand même, ces affaires. Ouais. Ouais. On va pas faire l'animal plus souvent. Est-ce que je peux tricher les horaires? On peut pas tricher les horaires, le jeu il l'a prévu. C'est un peu mystérieux ici, ça me plaît bien. Chou, elle est très mystérieuse, mais en fait, nous sommes amis. Étant donné que nous avons perdu nos parents toutes les deux, nous parlons de ce que nous ressentons comme ça, de temps en temps. Chou habite en face de ces ruines, et je n'arrive pas du tout à comprendre cette fille. Elle ne vient jamais prendre de bain chez moi. Je me demande si elle connaît un endroit secret pour se baigner.
Et là, je me repose la question de... En face de la ruine... Y'a rien. Absolument rien. Y'a quoi là-dedans? Grotte avidité, entrée interdite. Je comprends pourquoi est-ce qu'il est avidité. Climat de la grotte arctique. Ah ouais, on a le chaud et le froid au même endroit. Ou alors quand on dit qu'elle habite en face, c'est qu'elle habite exactement là où je suis. Communication qui va augmenter. On commence avec toi. Ah ah, on peut voir le monstre qui nous suit, donc en gros on peut... Est-ce que ça veut dire que je peux équiper le monstre qui me suit? Genre je peux transformer Grom en véritable monstruosité? Gromash, il faut que nous parlions. C'est de l'avenir de la Horde qui est question. Donc celui-ci, 107 PV, amitié. Attaque terre et critique sont ses seules capacités. Est-ce que ça signifie que je peux l'entraîner en fait? C'est ça ma question. Par exemple là il me suit, si je lui dis... que 28 PV, 26 attaques, Death 4. Peut-être qu'il s'est amélioré, mais je me suis pas rendu compte. Voilà, ça c'est un gear que je ne maîtrise pas encore et qu'il va falloir que je comprenne. Je lui redemande tout de suite, il va se passer quoi? Ah, ma barre de vie, elle est remontée, ça fait plaisir. J'espère qu'avec ça, on peut finir le bois et... Alors déjà, on va regarder le budget qu'on a. On est à 22 000. Est-ce que c'est suffisant ou pas?
Ouais, non. On va peut-être éviter de jouer avec ça. On va plutôt... Déjà, on va finir les bûchettes et on fait les troncs après. Voilà, histoire de un peu skill up avant. Diagonale ici. Bon, on a fini les petites bûches, maintenant faut passer aux grosses. Et croyez-moi, c'est une vengeance personnelle. Toi. Skill up. Voilà. Ça signifie que là elle est passée et qu'elle a acheté les objets que j'avais déposés. Est-ce que ça signifierait-il donc qu'on a 23 000, on a gagné 1500 à peu près. Côté positif, le bois ça augmente. Je suis quand même assez attristé du résultat. Autant je veux bien faire un effort, autant là... Les champs ont été réellement saccagés en fait. Je suis encore là-dessus, je sais, mais... C'est qu'on peut même pas replanter à certains endroits. Là j'étais content de lever la bûche plus tard pour pouvoir mettre autre chose. Bah au final je mettrai pas autre chose, il y a un caillou qui a apparu. On espère bien évidemment que le marteau amélioré cassera les cailloux, chose qui n'est pas promis. Ça je prends. Oui. Est-ce que je joue l'abruti jusqu'au bout ou... Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose de prévu, c'est que ici, on va... J'espère Yvan que demain, il va carry. Si demain, Yvan, il carry... Voilà, c'est ça la seule chose qui a manqué dans cette équation, c'est demain, Yvan va-t-il carry. Si demain, Yvan, il carry, on va pouvoir faire de la rentabilité long terme. Et comme on le sait tous, le principe d'un business, c'est de rapporter des sous. N'est-ce pas? Allez, c'est le jour de Yvan.
Il y a une nouvelle bûche qui est apparue pour me narguer, là, hein. On est d'accord. Fallait pas que le jeu soit trop fun non plus. C'est bon, il n'y a pas d'horreurs qui sont respawnées. Oh. Ouais, ça m'a l'air correct. Là. Dans le doute, on va quand même aller vérifier là. Alors, on va vérifier. Ici, il n'y a rien eu qui a poussé. C'est bien. 4 trucs qu'on peut essayer de faire pousser ici. Non, 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 toi tu t'en vas très vite. Mais alors comment est-ce qu'une épée peut level up? On voit pas de... Comment l'épée peut level up? Peut-être qu'il faut que je l'utilise plus souvent. Les zéros en feu. Peut-être ça, c'est d'affinité, genre feu, eau, terre et air. Ça, ça va être du bonus, ça du malus, vu que je vois les couleurs. Je sais même pas ce que c'est, en fait. Hein. Ces trucs-là, je le vois depuis le début du jeu. Je le vois même sur la nourriture. Il y a des nourritures qui ont des effets. Attendez, il y en a un qui avait poussé pour me narguer. Ouais, c'est lui. Il va disparaître en priorité, lui aussi. Tac. 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 Ouais, ça commence à se nettoyer par là. On améliore même notre communication. Dis-moi que t'as du miel, s'il te plaît. D'accord, je crois que ça doit être certains jours avec, certains jours sans. Mais là, il est 9h. C'est l'heure de Yvan. Yvan, je t'aime. Dis-moi ce que tu vends. Je suis allé trop haut. Et frère, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ce que je recommande aujourd'hui. Rien d'intéressant. J'achète. Ça y est. Ça y est, c'est le pognon. Ça y est, c'est les sous. Ça y est, c'est l'argent. Ça y est, c'est caca-tchink. Pardonnez-moi, mon père, j'ai péché. L'avarice. Ah,
Tu viens à l'église parfois, ça t'étonne. Oh, il y a nouveau. En tant que patron de bar, j'ai l'occasion de découvrir de nombreuses facettes de la personnalité des clients. C'est très amusant. Je n'ai qu'un seul souhait dans la vie. Goûter légendaire le Château Saroul. Il a été mis en bouteille il y a plus de 50 ans et certains pensent qu'il en reste que 10 bouteilles dans le monde. C'est probablement qu'un rêve. Le Château Saroul. Je sais pas c'est quoi ce nom, mais je suis preneur. Dans ta bûche. Dans ta bûche. Et dans ta bûche. Voilà. Stop. On va pas faire non plus n'importe quoi. Hop. Sait-on jamais. Pourquoi ma manette fait tout le temps n'importe quoi? Elle est neuve. Voilà. Ah d'accord, c'est ici. Donc non seulement je l'ai perdu, mais en plus de ça, ça m'a pas fait de graines. Ah, terrible, terrible, terrible. Ok. Je suis si nul que ça que j'arrive même pas à avancer d'une case. Ok. Normalement ça doit m'aider à power level je pense cette histoire quand même un peu. On va voir ça de suite. Ouais c'est ça. Non pas autant j'ai passé 21. Ça bouge de beaucoup. Ouais ça bouge quand même pas mal quand je le fais. On va rajouter un petit carré de 9 ici. Voilà.
skill up. Yeah. Allez, objectif final, c'est que... Je dis pas objectif du live, mais peut-être l'objectif du suivant, ça sera... Il n'y a plus aucun déchet qui traîne... Qui traîne dans cette ferme. Ah, je suis vraiment un nul. Skill up. Est-ce que ce serait un décès les skills? Pitié pas le décès. Peut-être qu'il serait malin de ma part d'arrêter. Est-ce que si je prends juste Grom avec moi? Et ça que je voudrais voir, c'est... ...115, 26, 4. C'est moi où son amitié a baissé. En fait, il baisse en amitié, je crois, s'il décède dans la grotte. C'est une théorie, hein, j'ai aucune preuve de ce que j'avance là-dedans tout encore. Il y a des gens qui se baladent dehors, non? On est dimanche. Enfin, samedi. Enfin, le sixième jour de la semaine. Mais le dernier jour de la semaine quand même. On dit que maman est plutôt bonne nageuse, mais je ne l'ai jamais vue nager, personnellement. Et apprends-moi à pêcher un de ces jours. Dis-moi, frère, tu sais nager? Oui? T'as pas une deuxième phrase, toi? Non. Nuit, normalement, je dirais. Oh, oh, oh. Gros coquillage étrange dans la plage ont une renommée internationale. J'envisage de les signaler comme une attraction spéciale de la ville. Sabrina s'en sort vraiment bien. Je suis content que Nicolas aille bien aussi. Mais parfois, il fait un peu trop de force. Ouais. Là, un peu du PNJ dehors, ça fait plaisir. Histoire d'avoir un petit peu de background de la discussion avec eux. Il y a quelque chose qui t'attire dans ces grottes et je sais très bien ce que c'est. L'époque et l'identité des fondateurs de cet endroit me sont inconnus, mais je veux éclaircir ce mystère. Toujours pas plus d'informations sur des dialogues différents. De sortir dans longtemps. Ouais, rien de nouveau. Je peux pas être un vrai docteur, je ne peux pas le nier, mais pourquoi veut-il vivre au milieu de nulle part? Je voudrais parler. Je me demande s'il y a une source chaude. Je pense pas, vu ce que j'en ai vu. Par contre, il y a des marécages dégueux. Thank you.
maintenant c'est le moment ou jamais pour exploiter chaque bûche du domaine. Voilà. Je suis combien en bûcheronnage? Je suis 10. Ouais, presque autant qu'en mine. Presque. La pêche que j'ai arrêté de monter de manière industrielle d'ailleurs, parce qu'avant au tout début, quand il n'y avait que ça comme revenu. Mais peut-être que je devrais m'y remettre un peu. On a bientôt terminé. Ouais, on a bientôt terminé. Bientôt, l'intégralité du domaine sera... Après, il y a quand même un truc qui m'attriste, c'est qu'on puisse pas faire des plantations d'herbes médicinales. Ce qui, selon moi, aurait été assez intéressant. Non, là, je suis nul. Il faut vraiment que j'ai le timing en tête. En fait, j'ai l'impression que si je le time parfait, seulement deux suffisent. Ok, il reste plus que celui-là. Je vais enfin dire que j'ai définitivement nettoyé les bûches. Bon, après, il y a les cailloux, mais tant pis pour les cailloux. Vraiment rien ici? C'était pur depuis le début? J'avoue, cela je lui aurais jamais fait. Putain, il m'a scellé frame 1 lui. Avec un peu de chance, j'arrive chez le docteur avant 18h. Ah mais non, mais il est fermé, vacances. Autant pour moi. Dans le journal. Sauvegarde terminée. Ça va rien rapporter, mais je vais pas dire non à un peu de sous. Ah mais oui, je suis scellé, je peux plus utiliser les compétences pour te... Ah ah. Je sais même pas c'est quoi qui est censé pousser ici. Qu'est-ce qui pousse le plus vite, hormis les fleurs?
Ma théorie, c'est 6 jours pour les fleurs. Bon, faut pas y aller avec ça, parce que je crois que ça rapporte rien. Faut y aller avec ça. Ça c'est bien. Comment ça va manquer? Réapparition d'une souche quand même. Réapparition. Faut noter qu'elles sont assez insolentes pour revenir. Insolence que je vais leur faire payer au prix fort juste après mon passage chez monsieur le médecin. Qu'il faudrait que je fasse. Ouais, non. C'est juste qu'on peut pas faire du miel tous les jours. C'est bon à savoir. Enfin, non, pas du tout, parce que je préférais ne pas le savoir. Enfin, je préfère que ce soit pas le cas, en fait. Enfin. Moi qui me disais qu'il fallait que je me remette à pouvoir leveler la... à pouvoir leveler la pêche, bah, autant le faire tout de suite, en fait. Avec un peu de chance, on va avoir un gros saumon comme ça. Ouais, ou une mini sardine. Au fond de cette boîte. Tente les sardines. Tente les sardines. Un peu plus gros. Oui, c'est tout. Toujours sardine. Ça monte. Ça monte. Un maquereau, c'est un peu plus gros. Je me pose une petite question. Toute petite la question. La petite question que je me pose, c'est très simple. Ça concerne quelque chose de tout autant simple. C'est admettons, je descende à la grotte Carmite, là tout de suite. Parce que, comme de par hasard, c'est pas le cas du tout, mais j'ai oublié le chiffre que je m'étais donné en regardant tout à l'heure, ici. 4, ok, c'est 4. Donc je l'avais pas oublié du tout. Juste, ça fait pas de mal de temps en temps de se remémorer. Se remémorer les informations pour éviter d'agir de manière... de manière... vous voyez ce que je veux dire? De manière... Là. Et ici, le plus important, là, tout de suite. Du coup... Me sens pas très bien, j'ai le typhus. Voilà, on soigne le typhus. Stop.
je crois avoir vu que c'est toi qui vend cette machinerie là. J'ai pas assez de sous, tu veux me faire croire? Ou alors juste ça se stack pas. Ok, 2. Ça ne se stack pas, 3. 4. Bien. On a 4 plantations, donc 4 produits. Toi, je voudrais voir tes marchandises. Alors, radis Verona blanc, concombre, fraise, les choux. Et je dirais patates, histoire de faire les classiques. Et des trucs qui poussent quand même relativement vite, selon moi. Ok. Comment ça marche, ça? Est-ce que je les combine comme ça? Non. Est-ce que c'est un outil? Je vais utiliser le wiki, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, là. Là. Excusez-moi, les wikis, qu'est-ce qu'il dit? Les wikis, il dit. Faut que je cherche. Ça m'a l'air très suspect ce que je viens de lire, mais bon, ça me semble à la fois suspect et cohérent. Le radis Verona blanc. Ça m'a l'air très suspect ce que j'ai lu par contre. Attends, c'est le super prank, on verra ça. Chose que j'ai pas envie de voir, en fait. On va planter les radis Verona blancs. Non, c'est pas là, c'est là. On va planter les potatoes. Voilà. Là, on va planter les concombres. Ok. C'est là-haut. Et je confonds toujours tout. Hein. Et on va planter le fraise. Voilà. Que je voulais récupérer. Ça, on va le mettre de manière artistique. Et voilà, là on est bien. Ok. Nous allons arroser ça. Ok, jusqu'à ce que ça me semble cohérent. Il n'y a plus de flotte. Coucou, tu me fais pas peur, tu le sais. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, ici. Bien. Bien.
bien. Jusque-là, tout semble cohérent dans l'explication qui m'était donnée. Pour faire pousser des plantes, il faut les planter et les arroser bien. Bien. Y'a plus de pisse. Même pas mal. D'ailleurs, c'est bien gentil, mais en fait, tu me déranges, toi. Hop là. Où est l'arrosageur? Il est là, l'arrosageur. Ça, c'est bien. Maintenant, on va balancer le machin directement par terre. Comme ça. Si j'ai bien lu l'indication, et que l'indication, c'est pas du troll. Faut préciser ça dans cet ordre-là aussi. Est-ce que ce serait pas l'heure de pêcher? Non, ce serait peut-être pas l'heure de pêcher. Est-ce que ce serait l'heure d'aller voir notre ami, notre très cher ami, le forgeron, pour lui demander où qu'il en est? Attends, déjà, qu'est-ce que tu vends? Terminer là des trucs nouveaux. Donc il y a toujours l'épée, la clé de mort, la pique, le martel. La hache de combat, je l'avais pas lu celle-là. Par contre, le prix... je sais pas c'est quoi ça. Attaque renversante. Attaque puissante. Enchantée pour les batailles rangées, cette hache peut renverser les... Les adversaires coriaces, d'accord. Et toi? Forgé pour les longs combats, ce marteau peut renverser les adversaires coriaces. Ok. Juste par petite curiosité, mon épée, où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, je peux toujours faire des links avec. Je pense qu'il faudrait que j'entraîne mon épée. Toi. Qu'est-ce que c'est que tu peux vendre? Rien de différent d'habitude. Ça c'est bien pour remplir le... Attends, on va lire tout de suite le prix que ça coûte là. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça coûte 100 l'unité. D'accord. 100 l'unité et je l'ai instantanément. Pas besoin de travailler, pas besoin de quoi que ce soit, je l'ai instantanément. Voilà. Par contre, toi, combien tu me vends le sac de neuf? Voilà. Bon, de toute façon, peu importe ce que je regarde, c'est le même prix. 600. Hein. Donc ça me ferait faire une économie de 300 pour 9. Hmm. Durée 9. Durée 6. Durée... Ah, mais les graines d'ananas, on les a. Il sert à rien, en fait, l'autre. Une graine de oignon. 14, 9... Bah en fait c'est écrit sur les graines le nombre de temps qu'il faut pour les faire pousser. Ça veut dire que si je fais voir marchandises... 20 ans...
graines de radis, Vérona blanc 4 jours, patate 7, concombre 9, graines fraises, 8 fraises, pardon, 14 pour les choux, ah, il plaisante 0, jouer 12, rage 9, toujours. Par contre, on va faire la petite curiosité, voir ce qu'on a en automne. Alors, automne, on a aubergine, 9, ouais, mais ça repousse. Et carotte, ouais, 7. Ouais, elles peuvent repousser, donc les patates douces, ça repousse. Hop là, pinard 5 jours, ça a l'air d'être le truc rapide. Poivron vert, ah ah! Planté en automne, donne de. Repousse le poivron, ouais. Graine de magie bleue. Et puis toujours là. Est-ce que la magie est réelle ou est-ce que c'est tout... ou est-ce que c'est le mensonge? Et... la magie est-elle réelle ou est-ce que c'est un mensonge? Et non, il n'y a pas de magie. La magie n'existe pas dans ce monde. Ils essaient de nous le faire croire. Mais la terrible vérité, la voici. Il n'y a pas de magie. Il n'y a rien du tout. Aucune magie, aucun pouvoir, rien. Que signifie ce panneau si je le lis? Ah, on peut pas les lire. Et ici. Ah ah. Combien ça coûte déjà ça? 2000 de bois, ouais, et 200 000. Déjà, ça me fait un peu mal. Et j'en suis pas prêt, en plus. Moi qui espérais faire ça avant la deuxième année. J'ai le droit d'y croire, hein. Hop là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh mon dieu, le prix! Ah, ça coûte cher! Bon. It's time to sword. Sword everyone, everything, everybody.
pardon. Voilà, décède par la mort. Voilà, c'est très bien. Oui, touche-moi, je t'avais donné le droit de me faire mal, bien sûr. Là, un petit coup de sauvegarde. Voilà, ça disparaît. Gratuit. Est-ce que le pognon a bien monté? Non, pas du tout. Même au contraire, j'ai envie de dire. Ok, le poison marche très bien. Hein, on a l'idée de critiquer l'effet du poison. Il est particulièrement efficient. Et on va profiter justement qu'il soit efficient pour aller là où on ne peut pas aller. Et une porte. Et toi, je sais pas ce que t'es, mais je te veux. I don't know what you are. But you are all mine. C'est un écureau. Hop. Passe si vite avec ton machin. On n'a pas le temps pour cela. Ouf. On ne peut s'en parler non plus. Bon bah, on va pas décider par la mort aujourd'hui. Voilà. Hors de question de décéder par la mort aujourd'hui. On va aller déposer ça dans les silos.
trouve ici. Voilà. Non, vas-y, fonctionne, s'il te plaît. Ah, d'accord, je les ai déjà fait. Donc, toi. Question que je suis en droit de me poser. Est-ce que ça se tond ? Un écureuil. Non. Est-ce que ça se recrute ? Oui, ça se recrute, mais son utilité, elle est 3. Donc il y a attaque renversante, attaque 24, attaque 23, 38 PV. Voilà. C'est bon. C'est bon. En fait, je crois qu'il doit bien y avoir un système d'entraînement ou des trucs comme ça pour les rendre plus forts, mais je sais pas quoi. Faudrait... peut-être... qui sait. Ah, enfin. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé ce live jusqu'au bout. Ça m'a fait plaisir de vous avoir avec moi et à la prochaine fois pour d'autres lives. Et sachez que les rediffs vont bientôt pas tarder à sortir. Alors, au revoir.